Dembélé. Dembélé accroché par Galan. Il s'est bien sorti de ce pressing, a bien résisté au défi physique imposé et a trouvé une passe fantastique. Ousmane Dembélé qui offre un récital encore ce soir au Parc des Princes. Bradley Barcola pour aller défier Amari Traoré. Il est passé. Barcola, il a de la bosse. Il avait l'avance suffisante. Bradley Barcola, c'est parti de Dembélé. Ça finit de l'autre côté avec la vitesse, la technique et la justesse de Bradley Barcola. Le PSG mène 2-0. Fantastique Bradley Barcola. Oui, fantastique Dembélé pour sortir de ce pressing. Et fantastique Barcola, parce que si c'est Kylian Mbappé qui met ce but là, oui. Je pense qu'on en fait des tonnes, parce qu'on est habitué à voir Kylian Mbappé à faire ce type de rush là côté gauche. Là c'est Barcola. Ça ressemble aussi à l'éclosion permanente de ce joueur, semaine après semaine, qui gagne en confiance, qui gagne en qualité technique. Regardez cette percussion, il se sépare d'Amari Traoré après le coup de rein pour aller mettre ce petit ballon du pointu. Regardez là, à ce moment-là, ce petit coup de rein, et derrière, pied gauche, c'est même pas un pointu, hein, c'est un tout petit ballon piqué pour venir mettre ce ballon au fond. On a toujours l'impression, Habib, qu'il est à la limite de sa possibilité, Bradley Barcola.